Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler et qu'on parle de Clément Stone. Donc dans cette vidéo, on va parler de Clément Stone et de notamment son association qu'il a pu avoir avec Napoleon Hill, qui est beaucoup plus connue que lui. Alors Clément Stone, qui était cette personne? Clément Stone, d'abord, il faut savoir qu'il était né le 4 mai 1902 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, et qu'il est décédé à l'âge de 100 ans, le 3 septembre 2002, à Evanston, en Illinois, également aux États-Unis. Il est resté en couple avec son épouse, Jessie Verna Tarson, de 1923 à 2002, date de sa mort, avec qui ils ont eu un enfant qui s'appelait Norman C. Stone. Alors, que faisait Clément Stone au cours de sa vie? C'était un homme d'affaires et surtout un des premiers philanthropes et auteurs de livres d'entraide sur la nouvelle pensée. Certainement, Clément Stone, tu l'as déjà lu avec le livre qu'il a écrit en association avec Napoleon Hill, Le succès par la pensée positive, dont on va parler entre autres dans cette vidéo. Mais ce que j'aimerais d'abord te partager, et donc déjà te dire que avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de t'inviter à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque j'ai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo, pendant que j'y pense, qui est important pour toi, j'imagine, de avoir. Clément Stone a écrit donc ce livre La pensée positive, le succès par la pensée positive, mais surtout le livre qu'il a écrit seul, Le système infaillible du succès. Le système infaillible du succès, un livre vraiment très peu médiatisé, très peu connu, puisque naturellement, décédé à l'âge de 100 ans en 2002 et ayant gagné beaucoup d'argent, Clément Stone n'a pas été autant marketé que ne l'a été Napoleon Hill. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir sur Clément Stone, c'est qu'il a démarré avec 100 dollars en poche et a réussi à bâtir une fortune personnelle de 35 millions de dollars. Il s'est associé à Napoleon Hill au cours de sa vie pour enseigner la philosophie de l'accomplissement personnel et d'établir un cours sur la science du succès. Il a entre autres créé le magazine Succès et la compagnie Combined Insurance Company of America. Il est donc devenu le mentor de beaucoup de personnes qui ont atteint d'incroyables sommets, comme notamment Napoleon Hill a pu le faire. Alors dans son livre Le système infaillible du succès, Clément Stone nous propose en fait de travailler sur la suggestion personnelle pour étoffer notre caractère, éliminer nos habitudes qui sont indésirables et surtout développer celles qui nous assurent le succès, notamment celles qui consistent à agir dans l'immédiat. Parce que pour lui, lorsque nous procrastinons ou remettons au lendemain les choses que nous devons faire, les choses ne se passent pas comme nous le désirons. L'auteur recommande d'ailleurs, à travers ce livre, de mémoriser seulement deux mots de manière très très factuelle et très très pratique. Agir maintenant. Agir maintenant et de répéter ces deux mots 50 fois par jour afin de les enraciner dans votre subconscient. Et il rappelle aussi cette phrase qu'il disait beaucoup avec Napoleon Hill, « Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser grâce à l'attitude mentale positive. » Donc voilà, Clément Stone a été durant toute sa vie l'un des chefs de file et est devenu une grande légende dans le domaine de la croissance personnelle comme Napoleon Hill, on a pu en discuter et en parler. Et donc en général, ce qu'il faut retenir quand même de ce livre sur cette approche de l'infaillible système du succès, c'est que ce livre est écrit de façon très simple à comprendre. La stratégie est très facilement applicable, il n'y a plus qu'à agir maintenant. Et franchement, l'auteur illustre beaucoup ses dires. C'est pas un livre qui va ressasser une seule et même idée, mais qui va vraiment permettre d'illustrer et d'avoir beaucoup de choses qui vont être différentes à assimiler. Autre livre vraiment extraordinaire qui a été écrit par Clément Stone en association avec Napoleon Hill, il ne se présente plus mais je le présente quand même, Le succès par la pensée constructive. C'est un des meilleurs livres qui a été écrit sur la science du succès, d'après en fait les différents commentateurs qu'il peut y avoir sur les gens qui ont lu ce livre. Et il t'apprendra en fait à te débarrasser de tes sentiments négatifs et à transformer ta frustration en motivation pour accomplir de vrais miracles. Tu vas pouvoir étudier des lois dans le livre et devenir un vrai étudiant du succès. En appliquant les principes, tu vas avoir une vie riche, une nouvelle vie passionnante, et naturellement, elle s'offrira à toi pour faire plein de choses que tu aimerais pouvoir faire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires.
Aussi, je t'invite à apprécier et partager cette vidéo sur Messenger, WhatsApp, Facebook ou les médias que tu apprécies le plus. Kat, je t'invite également dans les commentaires à m'indiquer comment, de quelle ville et quel pays tu as regardé cette vidéo et de me dire également ce que tu retiens de cette vidéo. Et puis par ailleurs, pour le cadeau que je t'ai annoncé en début de cette vidéo, je t'invite à le découvrir dès maintenant dans la description. Tu verras dans la description l'étendue de la palette de mon travail et également eh bien, le petit cadeau que je t'offre, 52 semaines pour devenir qui tu veux devenir avec une vidéo par semaine envoyée pendant un an. Merci pour ton attention, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.